Hello les Barbaros, on est dimanche, il est 10h, c'est l'heure du petit-déj, et qui dit petit-déjeuner dit un bon produit laitier, et pour ça, je vous propose la petite brique de lait Pokémon qu'on s'ouvre tout de suite ensemble. A tout de suite. Et voilà, c'est parti donc pour la petite ouverture de cette petite brique de lait. Allez, on ouvre. Découvrons ensemble ce qu'il y a là-dedans. Oula, oula, oula. Alors, des petits dés marqueurs de dégâts avec ce vert magnifique. Super beau. J'adore. Après, des petits dés marqueurs de dégâts en plus pour les parties. La petite pièce. Oh, elle est magnifique aussi. Avec la collection de pièces. Les jetons de statue, eux, sont pas ouf, je trouve. Je trouvais que ceux de l'ETB étaient. C'est beaucoup mieux, surtout qu'ici il est déjà abîmé, vraiment dommage. Enfin, soit, c'est pas pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qu'on a? On a des sleeves, j'avais besoin de sleeves, super. Elles sont pas vilaines en plus. Le vert, ben, de nouveau, ça a l'air, j'adore le vert, moi personnellement. Avec le petit chinchidou ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit pochi géant juste là, et je vois pas bien ce que c'est ici à côté. Bon. Ah, des petites sleeves, super. Carte promo. Oula, la caméra qui bouge. On ouvre ça. Alors. Ouais, les codes ici, je vais me les garder. Ah oui, on a la recherche professorale. Ah ouais, magnifique, magnifique. Elle est vraiment super belle, quoi. J'adore, j'adore. Nickel, nickel. Vraiment bien. Et du coup, ben voilà, j'avais besoin de recherche professorale pour mes decks. Ben voilà, ça m'en fait 4. Génial. On va mettre ça sur le côté. On va lécher sur l'autre côté. Petite deck box. Et Kali en plastique. Hein. Hop là. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette deck box? Des boosters à ouvrir. Voilà, la deck box, elle est vraiment. Moi, je trouve qu'elle est Kali. Vraiment les cahiers. Après, est-ce que le deck 60 cartes slivé va passer dedans? Je suis pas sûr. On met ça là. Sur le côté. Et qu'est-ce qu'on en booster? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7 boosters. Ah oh, je m'attendais pas autant de boosters en fait. Super. On a 2, 3 stars étincelantes. 1, 2, 3 points de fusion. Et 1 évolution céleste. Ben, je vais l'ouvrir dans cet ordre-là. Évolution céleste, j'ai envie de trouver du Dracolos, évidemment. Point de fusion, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et pareil, Star Étincelant, je connais pas le set du tout. Donc ça va être la découverte. Est-ce qu'on va trouver des choses intéressantes pour nos decks? C'est la grande question. Allez, c'est parti. Et lui, je l'ai pas, donc on va essayer une petite ouverture propre. Ça proprement pour garder les boosters en déco. On essaye, on essaye. Alors, je me les garde ceux-là. Pourquoi je me les garde? Bien, on va se faire une petite ouverture sur le online. Donc voilà, je vais essayer de les garder pour faire quelque chose de sympa. Alors, petite énergie terre, ensuite guerrier-aigle. Glace chanceuse, ben super, voilà, directement ça j'avais besoin pour un de mes decks, pour lequel? Moi bon, je sais plus lequel, mais j'en ai besoin pour un de mes decks. Tentacruel, Krabicoque, Hippopotas, Zorua, Psychoquack, Furéglon. Taignon en reverse, oh elle est magnifique la Taignon. Elle est magnifique. Et Roublenard en normal rare, alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, main curieuse, alors qu'est-ce que ça fait ça? Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez demander à chaque joueur de mélanger sa main, puis de la placer en dessous de son deck. Si l'un des joueurs place ainsi au moins une carte en dessous de son deck, chaque joueur pioche 4 cartes. Ouais, il y a une dresseur qui fait ça déjà. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. Bon, ben du coup, petit Aignan en reverse qui va venir ici. On part sur le point de fusion premier Genesect.
Pareil, on va tenter l'ouverture propre. Hein. Ouh, ça m'a l'air bien propre, ça. Ouais, ça m'a l'air très très propre comme ouverture. Hop là. Déjà, code noir, donc c'est bon signe. On a au moins une rare au lot. Alors, énergie feu, écolier, colossinge, zarude, balignon, trousselin, miamiasme, caïminus, brocellum, éclat d'inesa en reverse, pas mal pour les decks Mew, Genesect, ça, et ensuite en rare. Ah, c'est même pas une rare holo, quoi. Pourtant j'ai eu un contour noir. Ben mince alors. L'euphorie. T'as acheté l'euphorie. C'est vraiment nul comme carte. Eh ben, ce booster, il était nul. Bon. Allez. On continue. J'espère que celui-là sera mieux. On s'est bien fait troll, quoi. Oh, pas d'ouverture propre pour celui-là. Point de fusion. Bon, là, contour noir, on n'en sait rien. Ça peut absolument rien dire. 2, 3, 4. Peut-être que c'est à partir de Star Étincelante. Du coup. Alors. Énergie Psy. Pastille. Puissance. Chelours. Disparaît-il. Magnifique. Evoli. Ah bah tiens. Coquillasse. Voltorb. Feuillajou. Charibari. Pastille Puissance en reverse. Et Arcanin. En normal rare. Ben c'était bien nul aussi ce booster. Finalement. Pas grand chose, grand chose. Là, pour l'instant, c'est. Pour l'instant, c'est nul. Hein. Alors, énergie acier, crise acier, exo. Le pass de combat VIP, super, il m'en fallait un. Togé, Démarou, nul, Vostourneau, Araqua, Miaous, Onyx, Kelocroc, ou Langoliath en reverse. J'adore ce Pokémon. Il est magnifique. Et de la. Oh, le Papillusion, écaille tricolore. Ah ben lui, je l'avais besoin pour un de mes decks, justement. Voilà, je suis en train de monter un deck Papillusion Malamandre. Bon, on a quand même des trucs qu'on a besoin pour les decks qu'on est en train de monter. Mais en soi, on n'a rien de oufissime. Quoi. Là, sur. On avait combien? On avait 7 boosters. Donc sur 4 boosters, on a eu. Ben, que dalle. On n'a rien eu. Quoi. Rien du tout, même. J'ai pas eu ma. Ah oui, la reverse, j'ai oublié de la mettre ici. Voilà. Alors, petit Shaymin. J'espère que tu feras mieux que tes copains. Voilà, contour blanc, c'est mal barré. 1, 2, 3, 4. Petite énergie psy, Luxio, Capoeira. Comme ça c'est mieux, ouais, parce que là du coup vous voyez rien. Bassin de magma, Chenity, Caraclet, Ceribou, Riolu, Itourmi. Oh, le Tranchodon en reverse, super. Et Libégon en normal rare. Eh ben c'est nul! C'est vraiment nul! Ah, quelle ouverture décevante pour l'instant! Avoir la chance à chaque fois, et là pour le moment c'est bien nul. Et encore un contour blanc, on a vraiment que de la double là pour le moment. On est sur l'ouverture nul. Oh là, alors énergie acier, Mustéflo, ceinture choix, pareil que j'avais besoin pour mes decks, super. Vibralymphe, Tortipousse, Chinchidou, Carabing, Mustéboué, Brutalibré, Morpheo en reverse. Et un gros tas de morve en rare. Pour rejeter des Pokémon empoisonnés, votre adversaire augmente de 1. C'est nul. C'est vraiment d'une nullité incroyable. Bon, alors, mon petit Farfadué, j'espère que pour le dernier, tu vas
nous sortir une grosse dinguerie, un petit double hit, histoire que on regrette pas d'être venu. Bon, déjà contour noir, donc normalement une rare holo déjà. Normalement. 2, 3, 4. Allez, on y croit. Un petit double hit, ça ferait plaisir. Énergie combat, assurance échec, noix de coco, ceinture choix, super. Balbuto, coupe note, Tarinor, Stalgarin, Tic, ensuite on a Judocrac en reverse. Ah, une petite V et un petit Raichu V. C'est pas la dinguerie, mais bon, why not? Why not, why not? On a quand même eu une V dans cette ouverture. Bon, après, v'là la V, quoi. C'était pas dingue. Mais en soi, voilà, voilà. Pour cette petite ouverture. Du coup, pour cette ouverture, les amis, je pense qu'on ne va pas faire de... On va pas faire de récap. Hein. Là, en gros, bah, on a eu quelques petites reverse sympas. On a eu des cartes pour les decks qu'on est en train de monter. Mais en termes de rareté, c'était vraiment nul. Hein, Cédric, on a eu un Raichu V. Le reste, c'était décevant. Mais bon, voilà. On ne peut pas avoir de la chance à tous les coups, les amis. Voilà, tout ça, ça va aller dans la collection. Hop. Et au pire, on trouvera bien des gens pour... Ça va faire de la monnaie d'échange pour... Pour aller chercher les cartes qu'on a besoin pour les decks. Voilà, voilà. Et voilà mes petits Barbaros qui terminent ce petit déjeuner entre amis. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à vous abonner. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. À bientôt !